السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, dans le cadre de l'explication de l'Qawaid al-Arba' de Cheikh al-Islam Mohamed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, par Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, on avait fait dans le premier cours la biographie tarjama de Cheikh al-Islam, rahimahullah alayh. Et puis on avait commencé dans le deuxième cours la biographie de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Et on avait énuméré la longue liste de ses enseignants et on était arrivé au point où on devait citer Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer la biographie de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Et puis, dans le cadre de cette biographie, comme je l'avais déjà dit, on va s'attacher à rapporter une parole de Cheikh Oubel Jabiri, qui est une nouvelle tesquilla pour son élève, parce que Cheikh al-Bukhari est l'un de ses élèves. Et tesquilla dans laquelle il rapporte une classification des gens qui critiquent et dénigrent et rabaissent Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Et donc, avec ça, on aura fini, inshallah, la tarjama de Cheikh al-Islam Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, qu'on a déjà fini de toute façon. Puis, on aura fini la biographie de Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Et donc, le prochain cours, inshallah, on devrait commencer la risala à proprement dire de Cheikh al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah, qui est Al-Qawaid al-Arba'. Je vous ai déjà dit que les audios sont disponibles en 3 audios de Cheikh al-Bukhari sur le site Miraf al-Nabawi, et ils existent aussi ce qu'on appelle un tefrir, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est attaché à prendre les audios de Cheikh al-Bukhari et à les retranscrire par écrit. Donc, parce que le livre n'a pas encore été imprimé, donc pour les frères qui voudront suivre en même temps en arabe, ils pourront tout simplement imprimer les PDF des cours. Inch'Allah, je le mettrai sur Twitter ou bien sur le site, Inch'Allah, par rapport à la source. Donc on termine cette biographie de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, et on est arrivé, et c'était le 8e Cheikh qu'il a cité parmi les nombreux chouyours qu'il a eu. C'est Omni al-Ulama, Aydan Cheikhoun al-Allam al-Muhaddith al-Faqih Ahmed ibn Yahya al-Najmi, hafidahullah. Évidemment, il a dit hafidahullah, pourquoi? Parce qu'à l'époque où il avait rapporté cela, Cheikh Najmi était encore vivant, rahmatullah alayh. حيث حضرت عليه عرضا لسنن أبي داود في بيت أخينا الشيخ الفاضل الدكتور محمد بن هادي المدخلي حيث كان يعرضه عليه جزءا من السنن للإمام أبي داود وقد أجازني الشيخ حفظه الله إجازة عامة لجميع مروياته في ثبته الموسوم إنالة الطالبين بأسانيد كتب المحدثين. Donc parmi les savants aussi, c'est toujours pour les frères qui n'étaient pas là au dars précédent, notamment les frères qui étaient en voyage. La biographie s'est faite sous forme de questions et de réponses. C'est-à-dire qu'il y a un talib ilm qui a demandé l'autorisation à Cheikh al-Bukhari de lui poser ses questions, et donc Cheikh lui a autorisé, et donc il pose des questions par rapport à sa biographie, notamment par rapport à son nom, par rapport à sa date de naissance, par rapport à ses chouyours, etc. Et comme je l'ai déjà dit, on ne va pas faire toute la biographie, parce que vous avez vu qu'elle est déjà assez longue ce qu'on a fait, mais je vous donnerai une source où vous pourrez voir les derniers points qu'on ne va pas faire aujourd'hui, comme notamment les ijazat qu'il a. Notamment les nombreux livres qu'il a étudiés. La liste, elle est très très longue. Notamment les livres qu'il a écrits. Et la liste est longue aussi. De Cheikh al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Et donc, c'est Cheikh al-Bukhari qui... Pourquoi je dis ça? Pour vous bien resituer le contexte, que Cheikh al-Bukhari, c'est lui qui parle ici. D'accord? Il dit, et parmi les savants aussi, c'est-à-dire parmi les savants chez qui il a étudié Cheikh al-Bukhari, hafidahullah, eh bien, il y a le très savant et muhaddith et faqih, Ahmed bin Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. D'accord? Et comme vous le savez, que c'est Cheikh Ibn Baz le considérait comme le mufti du sud de l'Arabie Saoudite, rahmatullah alayh. Et donc il dit, car j'ai assisté à une lecture de Sunan Abi Daoud dans la demeure de notre frère doté de vertu, le docteur Mohamed bin Hadi al-Madkhali, qui lui lisait une partie des Sunan de l'imam Abu Daoud, et le Cheikh m'a donné une ijazah générale de tout ce qu'il rapportait dans son fait appelé Inalat al-Talibin bi Asanida Kutub al-Muhaddithin. Maintenant, après Cheikh Najmi, rahimahullah, il va citer un autre cheikh parmi ses enseignants et il va dire: ومن العلماء ايضا شيخنا العلامه النبيه الشيخ علي ناصر بن ناصر الفقيهي حفظه الله تعالى. Cheikh Ali Nasr al-Faqihi fait partie des chouurs salafis, des savants salafis qui sont toujours vivants, حفظه الله تعالى, qui enseigne le Masjid Nabawi à Médine. Et il dit: حيث قرات عليه جمله من كتب العقيده كصريح السنه لابن جرير الطبري وسلاله الرساله في ذم الروافد من اهل الضلاله لملا علي القاري وكان ذلك في حج عام 21 بعد 400,000 هجري. Donc Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Bukhari, hafidahullah ta'ala, il dit, et aussi parmi les savants,
c'est-à-dire parmi les savants chez qui il a étudié Cheikh al-Bukhari, notre Cheikh éveillé le savantissime Cheikh Ali ibn Nasr al-Faqihi, qu'Allah le préserve. Car je lui ai lu un certain nombre de livres dans la croyance, comme Sarih al-Sunna d'Ibn Jarir al-Tabari, qui est un grand imam parmi les imams de la communauté, et Salalat al-Risala fi Zamm al-Rawafid min Ahli al-Dalala de Mullah Ali Aqari. Et c'est lors du pèlerinage de l'an 1421 de l'Hégire. Puis il va citer un autre nom que vous connaissez, j'ai déjà parlé aujourd'hui, c'est Cheikh Obeid, parce que Cheikh Obeid, il fait partie de la tabaka des shuyukh de Cheikh Abdul Bukhari, hafidahullah ta'ala, wa hafidallah Cheikh Obeidan. Ce qu'il dit ici, le Cheikh, il dit, wa min al-ulama aydan Cheikhuna al-allama الجليل شيخنا الجليل عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى حيث قرأت عليه في مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه والمجلد الأول من السيل الجرار للعلامة الشوكاني. Donc c'était après le numéro 9 qui était Cheikh Ali Nasr al-Faqih, c'était le numéro 10 ici, Cheikh Obeid al-Jabiri. Il dit à son sujet, il dit, et parmi eux aussi notre noble Cheikh Obeid bin Abdillah al-Jabiri, car le présent, car je lui ai lu Mudakirat al-Shinqiti fi Usul Fiqh. On a déjà parlé de ce livre. J'avais déjà dit que c'était une épître que Cheikh al-Shinqiti, qui est très connu chez les Toulab al-Ilm, qui s'appelle, qui est une épître dans les fondements de la jurisprudence, c'est-à-dire Usul Fiqh. D'accord, qui était une des nombreuses spécialités de l'imam Shinqiti, rahimahullah. Et donc, Cheikh Obeid, il l'a enseigné, et Cheikh al-Bukhari, il a pris ce livre-là avec Cheikh Obeid al-Jabiri, hafidahullah. Il dit donc, car je lui ai lu Mudakirat al-Shinqiti fi Usul al-Fiqh et le premier volume de Sayl al-Jarrar du savantissime l'imam Shoukani, rahimahullah. Puis il va citer un autre nom, et c'est, on a déjà cité son nom dans le dars précédent, je pense, et j'avais déjà fait référence à ce Cheikh, à sa méthodologie par rapport à la langue arabe. C'est وَمِنْهُمْ شَيْخُنَا الشَّيْخُ اللُّغَوِي الْبَارِعُ بْنُ عَوْفٍ الْكُونِي الْمَشْهُورُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْكُونِي نَزِيلٌ فِي الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ فَقَدْ أَخَذْتُ مِنْهُ مُلْحَةَ الْإِعْرَابِ لِلْعَلَامَةِ الْحَرِيرِي مَعَ مَجَالِسِ نَحْوِيَّةٍ أُخْرَى وَلِلْمَعْلُومِيَّةِ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ دَرَّسَنِي فِي كُلِّيَةِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ بِالْجَامِعَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ مَشَايِخِي وَهُمْ كُثُرْ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَكِنْ ذَكَرْتُ مَنْ دَرَسْتُ عَلَيْهِ خَارِجَ قَاعَةِ الدِّرَاسَةِ النِّظَامِيَّةِ وَهُنَاكَ بَعْدْ مَنْ دَرَسْتُ عَلَيْهِ خَارِجَ الْجَامِعَةِ أَيْضًا إِلَّا أَنِّي لَا أَرْفَعُ بِهِ رَأْسًا لِأَمْرٍ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ بَسْطِهِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. Donc Cheikh il dit, hafidahullah ta'ala, Cheikh al-Bukhari dit, parmi eux notre Cheikh, le linguiste expert Ibn Auf Kouni, connu par Abdurrahman Ibn Auf al-Kouni, qui réside à Médine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le visiter ou de le voir quand vous avez été à l'Hajj ou à l'Omra. C'est un Cheikh qui est toujours vivant, qui est un Cheikh africain, et qui, c'est un Cheikh, alhamdulillah, qui est parmi nos mashayikhs, et que c'est un Cheikh qui est spécialiste dans la langue arabe. Un Cheikh qui est spécialiste dans la langue arabe. J'avais déjà tweeté un certain jour un lien où vous pouvez retrouver de nombreux audios de Cheikh al-Kouni dans la langue arabe, des livres très importants. D'ailleurs, dans sur notre site, il y a l'Ajurumiyah, je vous ai dit qu'il est écrit par l'imam Ibn Ajurum, rahimahullah, et qu'il y a certains ulama qui l'ont mis en forme de poème pour aider à la mémorisation. Et il y a Talib Ilm, si je me souviens bien, qui est algérien, qui a fait le charh de ce livre-là, avec une introduction, une préface de Cheikh al-Kouni. D'accord ? Donc c'est un spécialiste de la langue arabe. Il dit, il réside à Médine, chez qui j'ai appris Mulhat al-I'rab. Donc Mulhat al-I'rab, c'est un livre très connu dans la langue arabe, du très savant al-Hariri, avec d'autres assises dans la grammaire arabe. Ensuite, il dit, et c'est une conclusion par rapport à ces chouyour, il dit, et pour toute information, pour information, tous ceux qui furent mes enseignants à la faculté du hadith de l'université islamique de Médine, d'ailleurs vous savez qu'il est diplômé de l'université de Médine, hafidahullah ta'ala, qu'il a même un doctorat de cette université-là, et qu'il y enseigne d'ailleurs aujourd'hui, il dit que tout enseignant, tous ceux qui furent ses enseignants à la faculté du hadith de l'université de Médine, eh bien, ils sont tous considérés comme faisant partie de ses chouyours. Et ils sont nombreux, car les récompensant bien. Et il dit le Cheikh, mais j'ai cité ceux chez qui j'ai étudié en dehors d'université, sauf que des salles de cours académiques, et il y a quelqu'un chez qui j'ai étudié en dehors de l'université, sauf que je ne suis pas fier de lui, pour une raison dont l'explication n'a pas sa place ici, et c'est Allah qui facilite. C'est-à-dire qu'il n'a pas cité son nom pour une raison.
Avec ça, on a fini la troisième question. On avait dit que c'était sous une forme de série de questions-réponses. La quatrième question maintenant, c'est السؤال الرابع شيخنا هل ثم لكم علاقة بسماحة العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة محمد العثيمين والعلامة الألباني رحمهم الله. C'est une question que vous posez peut-être. Vous dites que est-ce qu'il a eu un contact, est-ce qu'il a une relation avec les trois grands savants qu'on appelle le triangle d'or, c'est Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen et Cheikh Al-Albani. Eh bien, la réponse, elle va être donnée par le Cheikh. La question est donc, c'est la quatrième question de cette biographie. Notre cher étudie, étiez-vous en contact avec son éminence, le très savant Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, et le très savant Mohamed Al-Uthaymeen, et le très savant Al-Albani, qu'on a leur face miséricorde. La réponse du Cheikh Al-Bukhari, حفظه الله, الجواب, إن هؤلاء الذين ذكرتهم مفخرة لأهل السنة. فهم من أئمتنا وأعلامها والمرء يتشرف بأن يذكر ما له علاقة بهم ولذا أقول إن من العلماء الذي أصنفهم في مشايخي أيضا العلامة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله حيث حضرت بعد دروسه في مسجده بالطائف في صيف عام 480 هجري وكان يشرح في بلوغ المرام لابن حجر وحضرت له لقاءات عدة ووجهت له جملة من السؤالات وحضرت عليه قراءة من تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بمنزله بالطائف وتشرفت بكوني ثالث الحاضرين حيث كان في المجلس الشيخ والقارئ وأنا فقط ولله الحمد والمنة وأذكر أن الشيخ في سنة من السنوات لما سألت عن الدراسة في الجامعة الإسلامية شجعني لدخولها وسألت عن كلية الحديث فزادني تشجيعا رحمه الله. La réponse du cheikh, donc par rapport à la question concernant ces trois grands savants, il dit « Ceux que tu as cités sont un sujet de fierté pour les gens de la sunna. Et ils font partie des imams de la sunna et des illustres personnages de la sunna. Et l'individu est fier de dire les contacts qu'il avait avec eux et c'est pour cela que je dis. Et parmi les savants que je classe aussi parmi mes professeurs, il y a le savantissime et imam Cheikh al-Islam Abdel Aziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. » Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz. Car j'ai assisté à certains de ses cours dans sa mosquée à Taif, lors de l'été 1408 de l'Hégire, alors qu'il expliquait Bulugh al-Maram d'Ibn Hajar. Et pour les frères qui aiment Cheikh Ibn Baz et qui ont l'habitude d'écouter Cheikh Ibn Baz et qui ont l'habitude de lire Cheikh Ibn Baz, vous connaissez la valeur de ce livre chez Cheikh Ibn Baz, de Bulugh al-Maram. Et j'ai assisté à de nombreuses rencontres et je lui ai adressé un certain nombre de questions et j'ai assisté à une lecture à lui du livre Tuhfat al-Ahwadi, Sharh Jami' al-Tirmidhi. C'est un livre qui se retrouve là-bas sur l'étagère. Et c'est un sharh de Sunan al-Tirmidhi, Jami' al-Tirmidhi, qui s'appelle Tuhfat al-Ahwadi. Donc il dit, dans sa demeure de Taif, et j'ai eu l'honneur d'être le troisième des trois personnes présentes. C'est-à-dire qu'il y avait trois personnes qui étaient présentes à cette assise-là. Et c'était qui? C'est-à-dire le cheikh, le lecteur et lui-même. Donc il a dit, j'ai eu l'honneur d'être le troisième des trois personnes présentes, car dans l'assise ne se trouvait que le cher et le lecteur et moi seulement. Et toutes les louanges reviennent à Allah. Puis il dit, et je me rappelle que le cher, lorsque je l'ai questionné, c'est-à-dire Cheikh Ibn Baz, une année à propos des études à l'université islamique de Médine, qu'il m'avait encouragé à y entrer. Je l'avais questionné au sujet de la faculté du hadith. Et il m'avait augmenté en encouragement qu'Allah lui fasse miséricorde. Vous voyez l'adab par rapport à mes chers, de toujours demander guidance, de toujours demander conseil dans le talab et autres. Il dit, et parmi eux aussi, il va citer le deuxième, c'est Cheikh Al-Uthaymeen, parmi les trois, il dit, « Wa minhum al-allama al-fahama al-faqih al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Faqad hadartu durusahu fil majid al-haram fil ashri al-akhir min ramadan am al-sabi' ba'da 400,000. من الهجرة النبوية وكان يشرح حديث جبريل عليه السلام الطويل في صحيح مسلم ودونت كل الفوائد التي استفدتها منه رحمه الله وكذا كنت أسافر إليه رحمه الله في عنيزة في الصيف لحضور دروسه الصيفية فحضرت صيف عام الثامن بعد 400,000 هجري والصيف الذي بعده أيضا وأما دروسه التي كان يعقدها في المسجد النبوي في الشريف فكذلك حضرتها كلها ولزمته فيها ومن الله عليها أيضا بلقاء الإمام الهمام المحدث الناقد محمد ناصر الدين الألباني.
D'abord, pour traduire ce Cheikh Al-Uthaymin, il dit, et parmi eux, le très savant, et qui comprenait énormément, Al-Fahama, il a dit. Fahama, c'est quelqu'un qui comprend beaucoup. Quand on dit en arabe, c'est une sirat mubalagha. Il dit qu'il comprenait énormément le faqih, Cheikh Mohamed ibn Salih Al-Uthaymin. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Car j'ai assisté à ses cours à la mosquée sacrée de la Mecque, lors des 10 derniers jours du mois de Ramadan, en l'an 1407 de l'Hégire. Alors qu'il expliquait le long hadith de Jibril alayhi salam dans Sahih Muslim. Et j'ai noté tous les bénéfices que j'ai pris de lui, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et je voyageais vers lui à Unayza, que la ville où habitait Cheikh Al-Uthaymin, en été, afin d'assister à ses cours estivaux. Et donc je fus présent en l'été de l'an 1408, ainsi qu'en été de l'an 1409 de l'Hégire. Quant aux cours qu'il donnait à la sainte mosquée prophétique, c'est-à-dire à Médine, j'ai assisté à tous les cours. Puis il va parler de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, de sa relation avec Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il dit, ومن الله علي أيضا بلقاء الإمام الهمام المحدث الناقد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إبان زيارته للمدينة النبوية في عام 848 هجري تقريبا وكرر الزيارة أيضا بعدها فحضرت كل لقاءاته العامة بل وبعض الخاصة أيضا وتشررت بانفراد به رحمه الله يوما بعد صلاة ظهر وبعد صلاة ظهر وهو خارج من المسجد النبوي متجها إلى سكنه فتوجهت إليه بعدة أسئلة وكان ممسكا بيدي مشبكا أصابع يده اليمنى بأصابع يدي اليسرى يسألني عن اسمي ودراستي وكان مسرعا في مشيته إلى أن وصلت معه المنزل فاستأذن ثم انصرفت رحمه الله رحمة واسعة وسائر علمائنا أجمعين. Donc le cheikh, cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, hafidahu Allah ta'ala, il va parler maintenant de Cheikh Al-Albani, de sa relation avec lui, comment il l'a connu. Il dit, et Allah m'a aussi comblé de rencontrer l'imam al-Humam al-Muhaddith et spécialiste de la critique, al-Naqid, Muhammad Nasir al-Din al-Albani, car il fasse miséricorde. Lors de ses visites à Médine en 1408, plus ou moins. Et il a répété ses visites après cela, et j'ai assisté à toutes ses rencontres publiques, et même à certaines rencontres privées. Et j'ai eu l'honneur d'être un jour seul avec lui, après la prière du Dhuhr, alors qu'il sortait de la mosquée prophétique, marchant vers sa résidence. Et je lui ai donc posé quelques questions, alors qu'il tenait dans sa main, les doigts de sa main droite enlacés avec les doigts de ma main gauche. Et il me questionna au sujet de mon nom et de mes études. Et il marchait vite. C'est connu de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, aussi la manière dont il conduisait, rahmatullah alayhi. Et il marchait vite, et ce jusqu'à ce que j'arrive à sa demeure, et il s'excusa, puis je partis. Qu'Allah lui fasse miséricorde, une large miséricorde, ainsi que tous nos autres savants. Maintenant, on a fini la quatrième question, avec la quatrième réponse. Il y a une cinquième question qui est « هَلْ لَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا لَنَا مَنْ أَجَزَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ » C'est-à-dire qu'on lui demande « Est-ce qu'il vous est-il possible de citer qui vous a donné une ijaza parmi les gens de science ?» On ne va pas traduire ça, mais on peut citer quelques noms. Il y a Bakri al-Tarabishi, Cheikh Safir Rahm al-Mubarakfouri, Cheikh Ahmed al-Najmi, Cheikh Abu Mohamed Badi al-Din Shah, Al-Rashid al-Sindi, le grand savant Sindi, rahimahullah. Il dit « وهناك غيرهم قد أجازني وأرسل بها إلي من غير طلب مني لذا أعرضت عنها والله المستعان » Il dit « d'autres ulama qui m'ont donné une ijaza, qui les ont envoyés, me les ont envoyés sans que je leur demande. » Et c'est pour ça que je ne les ai pas cités. Il dit « والله المستعان » Sixième question, c'est « Barakallahu fikum shaykhana, hal lakum an tadhkuru lana mu'ahalatikum al-ilmiya » C'est-à-dire qu'on lui demande « Et cher, est-ce que vous est-il possible de citer tout ce qui concerne les diplômes, etc. » Encore une longue liste ici. Il arrive jusqu'au niveau du doctorat. Et il dit qu'il a eu son doctorat en l'an 1426 de l'Hégire. C'est-à-dire il y a 9 ans. Et le sujet de son doctorat, c'était « Takmilat sharh al-Tirmidhi lil-Hafid al-Iraqi » Tahqiq min awal kitab al-Rida' ila nihayat kitab ida aflas al-Rajul » Jusqu'à la fin de ce qu'il a dit, Hafidahullah ta'ala. Il a dit qu'il a obtenu le grade Mumtaz ma'a martabati sharaf al-oula.
Et il dit que maintenant il travaille amalu halian ustad musa'id fi qism fiqh as-sunnah wa masadirha fi kulliyat al-hadith al-sharif wa ad-dirasat al-islamiyya. C'est-à-dire qu'il étudie à la faculté du hadith et il est devenu enseignant à la faculté du hadith à l'université de Médine. Et il dit qu'il a des recherches qui vont être publiées li abhath muhkama katabtuha li marhalat ustad musharik yassara Allah amraha. Septième question. Je vais juste un peu profiter, je ne traduis pas tout, que vous sachiez un peu. Alors, on lui demande de citer certains de ses ouvrages que lui a écrits. Pas de ceux qu'il a étudiés, mais celui que lui l'a écrit. Comme ça, à première vue, il en cite 18. D'accord ? Dont la charh de Usul Sunnah de l'imam al-Humaydi, Ta'liqat radi'a al-Aqidah al-Wasiriya, الأجوبة المدينية عن الأسئلة الحديثية، المقالة الشرعية المجموعة الثانية، المقالة الشرعية المجموعة الأولى، التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للحافظ السخاوي، etc. Il a cité beaucoup de titres. On va pas tous les citer, mais c'est juste à titre d'exemple. Après, il y a une autre question. J'avais dit on était à la quantième, maintenant la question. Septième, j'ai dit ou pas Ici, je vois que c'est la neuvième, je ne sais pas où est la huitième, à le coup les hal. Il dit, hallakum an tutli'oun al kutub lati darastumuha hafidakumullah. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée ou nous faire voir, nous faire savoir les livres que vous avez étudiés? Ce n'est plus les livres qu'il a écrits, mais celui qu'il a étudié, ceux que lui a étudiés. Je vous donne un chiffre qui est cité ici, c'est 43. On ne va pas tous les citer, d'accord? À titre d'exemple, Al-Burhan fait étudier le Coran, les Sadiq Qamhawi, on avait cité ça quand on a vu qu'il a beaucoup dit dans le Coran, jusqu'à le Qira'at, etc. يا الوصول ثلاثة قال أربعة كتاب التوحيد فتح المجيد كشرح كتاب التوحيد يسول من الوصول للحافظ الحكمي بالتوحيد وصول السنة الحميدي السنة دي غير ليتفيدي أبخي كيس كيلا فيه إلا فيه شرح لمن بلتاغ السنة دي المزني من شرح دي الشيخ عبيد كي تنبخيمي دايو صريح السنة لابن جرير السنة لعبد الله بن الإمام أحمد الإيمان C'est un livre très important que je vous ai déjà cité, un tahqiq de Cheikh Al-Albani, de Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, Kitab Tawhid de Sahih al-Imam Bukhari, Kitab al-Imam de Sahih al-Bukhari, Al-Wasitiya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Kitab al-Riqaq min Sahih al-Imam Bukhari, Al-Bayquniya, il a lui-même fait un charh qui est imprimé en livre maintenant. اختصار علم الحديث لابن كثير التوضيح الأبهر لتذكرة الملقن في علم الأثر للسخاوي الموقد للحافظ الذهبي تدري غدر المصطلح صح المقنع في علوم الحديث لابن الملقن إرشاد طلاب الحقائق للحافظ النووي مقدمة صحيح الإمام مسلم للحجاج كلا تخدكشون دو لوتنتيك دو الإمام مسلم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر كان ليف غدر المصطلح الحديث سي مختصر صحيح البخاري للزبيدي الأدب المفرد للإمام البخاري كي سختي دايون 3 فوليم كل شرح للشيخ زيد عمدة الأحكام الكبرى للحافظ المقدسي دايون بوكو دوديو سور سون سيت ويل إكسبيك عمدة الأحكام بلوغ المرام الأربع النووية جون باس منهج السالكين منهج السالكين للعلامة السعدي بهجة قلوب الأبرار للعلامة السعديوسي المحرر في الحديث للحافظ ابن عبد الهادي رسالة التبوكية لابن القيم الوابل الصيب لابن القيم الدروس المهمة لشيخ من باز ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز عبد اللطيف الرفع والتكميل في جرح والتعديل اللكنوي الهندي et puis parmi les derniers qui cite c'est الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع للحافظ الخاتم البغدادي et مثل الأجر الرومية dans la langue arabe. Voilà, en résumé, d'accord. Et voilà, avec cela, on aura donc fini la biographie. Et je vous ai mis dans les PDF qui sortira ce soir ou demain, Inch'Allah. Je vous ai dit pour lire la suite de cette biographie de ce noble cheikh salafi, qu'Allah le préserve, voir la source ci-dessous. Et donc, vous aurez un site salafi, sous l'égide d'un cheikh salafi. Et vous pouvez trouver toute cette biographie en arabe. Et c'est de là que je l'ai prise. Maintenant, après cette biographie, voici une nouvelle recommandation du très savant Cheikh Oubay al-Jabiri, qu'Allah le préserve, pour son élève, le noble Cheikh Salafi, Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. J'espère que maintenant, qu'on entend ce nom de Cheikh al-Bukhari, on sait un peu plus qui c'est, on connaît un peu plus sa valeur et son statut, hafidahullah ta'ala. Et donc, il dit,
dans laquelle, aujourd'hui plutôt ici, dans laquelle il rapporte une classification des différents types de personnes qui critiquent et rabaissent Cheikh Abdallah ibn Abdelrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. La question suivante fut posée au noble savant et imam dans la Salafiyya, Cheikh Ubayd ibn Abdullah ibn Sulayman al-Jabiri, qu'Allah le préserve. Peut-être des frères reconnaissent peut-être les mots que je cite ici, parce que c'est un article qui est déjà sorti il y a quelque temps sur notre site SPF, que j'avais fait pour défendre Cheikh Abdallah al-Bukhari, c'est de là que je l'ai pris. J'ai mis le lien où vous pouvez le retrouver en arabe sur Sahab et en français sur notre site SPF Birmingham. Pourquoi j'ai dit, ici un point par rapport à Cheikh Ubayd, pourquoi j'ai dit imam fi salafiyya? Eh bien, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un imam dans la salafiyya qui l'a dit. C'est, comme l'a dit l'éminent savant et porteur de l'étendard de la critique et de l'éloge, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, lors du pèlerinage de 1433. Combien il y a eu de pèlerinages depuis? Il y en a eu? Hein? Ben, un, c'est celui de 1434, on est d'accord, hein? Et bien, Cheikh Rabi', lors de ce pèlerinage, il a dit, par Allah, Ubayd est un imam dans la salafiyya. Cheikh Rabi' qui a dit ça, hafidhahullah ta'ala. Alors, encore un autre point que je voudrais vous dire aussi, j'ai dit, le porteur de l'étendard de la science, de la critique et de l'éloge. Il y a une choubha qui tourne, c'est les hezbines actuellement, anglophones et francophones, la hezbine n'a pas de frontières, les frères, hein? C'est quoi? C'est de dire que, ben non, hein, vous avez vu, vous dites que Cheikh Rabi' c'est Hamil ou Ajrah al-Ta'dil. Lui-même, il a dit qu'il n'était pas. C'est vrai, il l'a dit, ce mois-ci, il l'a dit dans une nasiha qu'il a fait aux jeunes, nasiha que je vous recommande vivement de l'écouter. On essaiera peut-être de la traduire, Inch'Allah. Où il donne vraiment des excellents conseils à Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Et on voit que des fois, certains d'entre nous, peut-être, on peut manquer à des comportements. Et Cheikh Rabi', il fait référence à ça. Il fait comment se comporter dans la da'wah, comment se comporter par rapport à la science, comment, etc. Et d'ailleurs, au début, il dit, et c'est en termes de modestie, il dit, je n'aime pas ce terme, imam Jarh al-Ta'dil. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, ceux qui n'aiment pas Cheikh Rabi' et qui essaient de tourner toujours autour de certaines paroles pour rabaisser Cheikh Rabi'? Ah, vous voyez, Cheikh Rabi' lui-même, il l'a dit. Subhanallah. Oui, Cheikh al-Fawzan, il a dit, je suis un talibain. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Cheikh Fawzan, c'est un talibain? Hein? Je vois les sourires là, vous n'avez pas besoin de répondre. Non, Cheikh Fawzan, c'est un grand savant. Cheikh Al-Albani, il a dit, innama ana talib ilm, un petit talib ilm. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? Que Cheikh Al-Albani, c'est pas un savant? Et c'est même un grand savant et un imam? Réificateur de la sunna, Cheikh Ibn Baz lui a demandé c'est qui le réificateur, il a dit Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Vous voyez comment les gens ils cherchent comme ça, les gens qui pêchent en eau trouble. Ils cherchent toujours des paroles désespérées, comme l'a dit Cheikh Raslan, ils se noient, ils essaient de se rattraper avec une paille. Salah al-Afiya. Un morceau de paille, ils essaient de raccrocher alors qu'ils se noient. Cheikh Rabi' Hafidhahullah, cette parole aux oreilles et au cœur des gens de la sunna, ça n'a fait que le rajouter en quoi? En valeur, parce que ça montre la modestie de Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Et Cheikh Rabi' c'est quelqu'un qui n'aime pas le relou dans les gens, par rapport aux gens, etc. Je vous avais rapporté qu'un frère qui est talib ilm, qui a étudié de nombreuses années Cheikh Mokbil et qui est maintenant à la Mecque, il a dit, un frère anglophone, il a dit qu'une fois il a visité Cheikh Rabi', et Cheikh Rabi' lui a dit, pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, Cheikh, je suis venu vous visiter, parce que je vous aime en Allah, etc. Et parce que le frère, il allait souvent visiter Cheikh Rabi', il a dit, le hubbu shay, ou le ghulu shay akhar. Regardez la tarbiya. Regardez la tarbiya que Cheikh Rabi', il donne, hafidhahullah ta'ala. D'accord? Donc tout ça par rapport au point que Cheikh Rabi', Hafidhahullah, imam Jarh al-Ta'dil, n'en déplaise aux Hizbiyoun, il a dit que sur Cheikh Rabi' que c'est imamun fi salafiyya. Imamun fi salafiyya. Quand vous voyez, subhanallah, n'allez pas consulter, mais quand vous voyez les sites de Al-Hajawira, ceux qui suivent Al-Hajur al-Mubtadi', comment ils parlent de Cheikh Rabi', subhanallah, c'est choquant, sarahatan. Le trait de Hizbi, etc. Comme si c'était. Cheikh Rabi', imam fi salafiyya, Cheikh Rabi', il dit, et eux, ils disent quoi? Hizbi. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué leur Cheikh avec Dalil. Donc, maintenant, c'est la parole de Cheikh Ubayd al-Jabiri, Hafidhahullah Ta'ala. Il dit,
En ce qui concerne Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, nous avons lu dans sa biographie que vous faites partie de ses chouyours, c'est-à-dire de ses enseignants. Que savez-vous donc sur ce noble cheikh et sur son statut dans la science? Car nous avons entendu certains le rabaisser et dire qu'il fait partie des petits étudiants. La réponse du cheikh, cheikh Obeid, hafidahullah, a dit vrai celui qui a dit qu'il fait partie de nos élèves et que nous faisons partie de ses enseignants. C'est une première chose. Deuxièmement, le frère, le cheikh, le docteur, Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, car on augmente en exactitude dans les paroles et les actions, possède une science profonde. C'est un imam de la salafia qui parle ici. Il dit, ce cheikh al-Bukhari, il possède une science profonde et une compréhension. Et il est exact dans ce qu'il écrit comme les, contre les paroles corrompues et les fondements déclinants proférés par Ibrahim ibn Amir al-Ruhayli. C'est un nom que peut-être que vous avez déjà entendu. Attention, pas confondre avec Cheikh Suleiman al-Ruhayli, hafidahullah ta'ala. On parle de quelqu'un d'autre qui est aussi à Médine, qui s'appelle Ibrahim ibn Amir al-Ruhayli. C'est un cheikh qui vivait en Médine, dont plusieurs savants ont réfuté les erreurs et montré les déviances, notamment les savants suivants. Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah. Cheikh Abil Jabiri, hafidahullah. Et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti de Cheikh Rabi' qui s'appelle Al-Bayan, lima fi nasihat. Docteur Ibrahim al-Ruhayli, min al-Khalali wal-Ikhlal. Hassan Abou Asma, notre frère Salafi, hafidahullah ta'ala, il a fait une traduction de ça. Il a fait des cours en audio. Ils sont disponibles sur son site al-afar.com. Et il existe en arabe, il a été publié. D'accord ? Et c'est publié aux éditions, donc ça s'appelle Bayan, ma fi nasihat Ibrahim al-Ruhayli, min al-Khalali wal-Ikhlal, aux éditions Al-Miras al-Nabawi. Et Cheikh Abd al-Bukhari aussi, il a fait une réfutation des erreurs de Ar-Ruhayli, d'Ibrahim Ar-Ruhayli. Et il a aussi, son livre aussi a été publié, c'est un volume en cuir qui a été publié, qui s'appelle At-Ta'aqqubat al-Sariha ala Risalat al-Nasiha li Dr. Ibrahim Ar-Ruhayli aux éditions Dar al-Istiqama. D'accord ? Cette réfutation de Cheikh al-Bukhari sur les erreurs d'Ibrahim Ar-Ruhayli, elle a été le sujet d'éloge de plusieurs gens de science, notamment Cheikh Ali Nasser Faqihi, parmi les grands savants, et notamment Cheikh Al-Bukhari, Cheikh Rabi', notamment Cheikh Obeid, notamment Cheikh Mohamed Ben Hadi, notamment Cheikh Mohamed Bazmoul et d'autres. Cheikh Obeid al-Jabiri, hafidahullah, il continue sa parole en disant, troisièmement, ceux qui le rabaissent sont. Donc maintenant on va rapporter cette fameuse quoi ? Classification des gens qui rabaissent Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, hafidahullah. Soit les suiveurs d'Al-Hajouri, c'est pas le mot, c'est Cheikh Obeid, hein. Soit les suiveurs d'Al-Hajouri, l'égaré, l'innovateur, le fou, le sot. Alors pour les frères et les sœurs, peut-être un peu choqués par le mot innovateur, j'ai mis une source ici. J'ai dit que Cheikh Mohamed ibn Abdul al-Wassabi, le savant du Yémen, a dit la même chose concernant Yahya al-Hajouri. D'accord ? Cheikh Rabi, vous connaissez la mise en garde contre Al-Hajouri, vous connaissez la mise en garde de Cheikh Abdul al-Bukhari lui-même, de Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, des savants du Yémen et autres. Je vous ai mis une source pour la parole de Cheikh al-Wassabi, qui a été traduite d'ailleurs par mes soins. Et je vous ai dit aussi, pour plus de détails sur les déviances de Yahya al-Hajouri l'innovateur, et les réfutations des gens de science, voir le site en langue française, et c'est un site qu'on a fait où j'écris, qui est consacré aux erreurs de Yahya al-Hajouri. Et donc c'est al-hajouri.com, je vous ai mis le lien que pour trouver, pour si vous voulez savoir les erreurs en détail. On n'a pas rapporté toutes les erreurs, on en a déjà rapporté quelques-unes avec les paroles des savants de Yahya al-Hajouri. Donc on a dit quoi? La première catégorie, soit les suiveurs d'Al-Hajouri, l'égaré, l'innovateur, le fou, le sot. Soit les suiveurs d'Al-Halabi, l'innovateur. Ali Hassan Al-Halabi. D'ailleurs, Cheikh Al-Aïd Abdurrahman, il y a quelques jours, j'ai écouté un dars de lui, où il dit que les gens qui ont plus combattu Cheikh Rabi', c'est deux personnes, c'est Abu Hassan Al-Ma'ribi et Ali Hassan Al-Halabi, deux innovateurs. Abu Hassan, l'ulama, il l'appelle Abu Al-Fitan. Pour les jeunes qui sont nouveaux dans la salafia, ils n'ont peut-être pas connu la fitna d'El Ma'ribi, mais c'était une très très grosse fitna, c'est pas une des plus grandes fitna, ou la plus grande fitna qu'il y a eu à l'époque. Et les ulama, ils ont écrit de nombreux ouvrages pour réfuter les erreurs graves dans la méthodologie de Abu al-Hassan al-Ma'ribi et aussi les erreurs d'Ali Hassan al-Halabi. D'ailleurs, un livre entier que je vais citer un peu plus loin par Cheikh Ahmed bin Omar bin Salim Bazmoul Hafidallah qui s'appelle Siyanat al-Salafi, qui est plusieurs centaines de pages, qui est une réfutation des erreurs d'Al-Halabi.
Alors ici, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, mais Akhi, pourquoi tu nous parles de réfutation, etc. Eh bien, la réfutation, c'est un bab parmi les, c'est un chapitre et un sujet parmi les sujets de la science, et c'est important pour un salafi qu'il consacre une partie de son temps à lire les réfutations. Il y a beaucoup de khir là-dedans. Et là, on ne va pas rapporter encore une fois les paroles, mais s'ils font, on le fera une autre fois, Inch'Allah, où les ulama rapportent cette importance de lire les rudoud. Je n'ai pas dit qu'il faut lire que des rudoud, non, mais il faut lire les rudoud. C'est important pour un salafi de lire les rudoud d'Ahl al-ilm, pas les rudoud des Johal, c'est pas de ça qu'on parle, ou ceux qui se revendiquent de la da'wah qui n'en sont pas. On parle de, des ulama, les rudoud des ulama, les réfutations des ulama faites avec science. D'accord? Donc on a dit, première catégorie, c'était soit les suiveurs de l'Hajuri, l'égaré, l'innovateur, le fou, le sot. Deuxième catégorie, soit les suiveurs de l'Halabi, l'innovateur, l'égaré, celui qui essaie d'enrôler à mauvais escient les règles de la législation et le vocabulaire utilisé par les gens de science avec ruse. Et ça, c'est une des caractéristiques d'Abul Hassan et Ali Hassan et d'autres, c'est qu'ils ont essayé d'établir des règles en leur donnant une image de la salafi alors que ce n'est pas des règles salafi, pour essayer de défendre les gens de l'innovation religieuse. Et les ulama, alhamdulillah, ils ont fait ce travail, jazahumullahu khairan, de réfuter ces règles fausses émises par ce genre d'innovateurs. Troisième catégorie, soit les suiveurs du docteur Ibrahim al-Ruhayli, qu'Allah nous pardonne et lui pardonne. Donc par rapport à Ali Hassan, je vous ai mis un lien, vous pouvez avoir Sianat Salafi, si vous ne l'avez pas en ligne, je vous conseille de l'acheter, mais si vous ne l'avez pas, il y a un lien où vous pouvez le télécharger. Et par rapport à Ibrahim al-Ruhayli, je vous ai mis aussi un lien où vous pouvez avoir le livre de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, qui s'appelle Al-Bayan. Puis Cheikh Rabi' il termine en disant, oui, voilà donc ce que j'ai dit de manière concise, et je n'ajouterai rien à cela, car je suis accusé en raison de ces paroles, qu'en serait-il alors si je rajoutais ce que je sais sur notre fils, et notre compagnon, et notre élève. Regardez les caractéristiques qu'il a données à Cheikh al-Bukhari, notre fils, et notre compagnon, et notre élève. Le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, voilà. Et il a daté le Cheikh a dit, ceci a été dit par Ubayd ibn Abdullah ibn Suleyman al-Jabiri, la nuit du samedi 9 du mois de Safar, de l'année 1434 de l'Hégire, correspondant à la nuit du 22 décembre 2012. Et c'est le cheikh lui-même qui a daté. Alors avec cela, on aura fini cette classification. Je vous ai mis le lien de la source en arabe sur Sahab, plus un lien de l'audio et du, en arabe et du PDF en français de cette traduction-là que je viens de citer de cheikh Ubayd sur notre site. Alors je voudrais terminer par deux choses. Cheikh Arafat, dans un audio qui est très récent de la semaine passée, que vous connaissez certainement, il a dit, par rapport à ceux qui critiquent Cheikh Abdel Boukhari, qu'ils sont soit des Haddadi, soit des Moumaïa. C'est soit des extrémistes, soit des laxistes. D'accord? Et je vous rapporte un autre bénéfice. C'est lors de ma Umrah de l'année passée en février. Alhamdulillah, j'ai pu visiter Cheikh Rabia pendant plusieurs jours. Et je lui avais demandé de donner un dars pour les frères de Belgique par téléphone. Le Cheikh Rabi s'est excusé parce qu'il a dit que ça le fatiguait de parler au téléphone, parce que le Cheikh il a plus de 80 ans, il doit avoir 83 ou 84 ans. Et donc le Cheikh, hafidhahullah, il a dit « Alaykoum ». Et j'étais très proche du Cheikh. Et il m'a regardé, il a dit « Alaykoum ». Et il a cité trois noms. « Bishir Ubayd »« Wa Cheikh Mohamed Ibn Hadi »« Wa Cheikh Abdullah al-Bukhari ». Ça c'est par rapport à Cheikh Abdullah al-Bukhari que j'ai dit ça ici. D'accord. Wa jazakum Allahu khairan wa Allahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc la semaine prochaine on devrait commencer inchallah al-qawl al-arba' avec le charh du Cheikh Abdullah al-Bukhari hafidahullah ta'ala.